Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Generix et on se retrouve sur My Summer Car. Alors, j'ai avancé un petit peu le moteur, on va aller le voir. J'ai trouvé aussi comment diminuer le stress d'une façon astronomique. Et je trouve que c'est un petit peu même abusé que... Bon bref, hein. Donc, en fait, il faut se sortir une clope. Voilà, et vous fumez votre cigarette et vous allez voir que plus la bouffée est grande, plus le stress diminue. Voyez, hop, ça descend vraiment très 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 vite. Alors j'adore ce jeu parce qu'on peut vite se retrouver dans la merde si on fait pas attention aux choses. Voilà, donc la clope elle est finie. Hop, je vais la fumer complètement. Oui, oui, elle dit bidu, hein, jusqu'à ce qu'il la jette. Hein. Voilà, il jette la cigarette carrément dedans. C'est cool. Ouais. Alors, je suis allé en ville avec le bateau. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. À savoir qu'il y a un petit bateau juste à côté de la maison. Un petit quai, un petit port. J'ai fait quelques achats. J'ai acheté du lait, j'ai acheté du jus concentré. J'ai acheté des saucisses. Voilà, je voudrais arriver à fermer la porte. J'ai acheté des chips aussi. Alors je vais boire juste un coup, comme ça on est tranquille. Hein. On va se reculer, on va faire ça. Hop. Voilà, hop. Alors j'ai découvert pas mal de choses, parce que c'est vrai que je me suis baladé sur la map en bus. Ah, téléphone. Ah ben voilà, ça tombe super bien. Voilà, il raconte un petit peu sa vie. Allez, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller lui livrer son bois. Voilà, on va regarder en même temps le moteur. Alors, quelle heure il est par contre? Je ne sais pas, mais... peut-être que je vais faire une sieste, non? Merde, elle est pas là, la pendule. La cuisine. Il est... 3h moins le quart. Ouais, il est 3h moins le quart, mais ça passe tellement vite sur ce jeu. Alors, peut-être qu'on ira après, une fois que j'aurai dormi. Ouais. Alors le moteur, ce que j'ai fait, il me manque quelques bricoles à faire. Hop, et attends. Donc il me manque quelques bricoles à faire. Donc je l'ai tout revissé. J'ai fait un peu le check-up du moteur. Il me manquerait des bougies, donc 4 bougies, il me manque la courroie, il me manque l'huile, la 1040, un fusible, et je prendrai un liquide de refroidissement aussi. Ouais. Donc, là, il me manque ça, voilà, tac. Donc, le seul emplacement que je peux lui trouver... Ben, c'est ici, voilà. Ça c'est la tête de Delco en fait. Alors je sais pas comment il l'appelle. Distributeur. Ben nous on l'appelait la tête de Delco sur ces vieilles bagnoles. Alors, on va ouvrir la caisse. Je prendrai juste une clé. Oh. Là, on va prendre celle-là parce que je crois qu'il y a des choses à visser. Là, c'est du 6. Là, je crois que c'est la plus petite, la 6. Ouais, c'est celle-là. Voilà. C'est du 6. Hein, c'est pas la plus petite. Celle-là, alors. Hop, c'est celle-là. Ah, mais c'est... d'accord, ok. C'est il faut y aller au tournevis. Allez, on va visser ça. Et après, on va lui faire ça, livraison de bois. Voilà, histoire que... Vous voyez un petit peu autre chose aussi. Hop, ça, ça. Après, il va nous manquer ça.
Et je pense que ça sera tout. On aura la totale et ça va venir dessus. Normalement, les fils, ils doivent aller dessus. Allez, on va faire la livraison de bois. Donc lui, il est là. Putain, il faut que je dorme. Bah, je vais être emmerdé avec ça. Aïe 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 ouais. Là. Ah voilà, vous voyez? Le problème que j'ai oublié d'allumer la lumière comme un con. Alors ça c'est l'extérieur parce que je vois le phare. Voyez, hop, on voit un peu la lumière là. Ah, j'ai laissé la lumière. Non mais oh là là! Vous avez vu les amis? Et laissez la lumière. Putain, mais c'est heureusement que j'avais laissé la lumière allumée là. Parce que c'était tellement noir. Là, je vais pas retrouver l'interrupteur. Il est là. Putain. Et là, je sais pas, j'ai un problème ici, là. J'ai un fusible qui a dû péter, donc il faut que j'achète un fusible. Parce que je vois rien. Alors, je vais aller faire pipi. Hop, quelle heure il est? Pour faire la livraison de bois, c'est peut-être un petit peu tôt. Je vais éviter de la faire de nuit. Hein. J'ai pas envie qu'il m'arrive des bricoles. Là, c'est pareil, j'ai la lumière qui a pété. À la base, elle marchait, hein. Je sais pas si je peux redormir. Là, ok. Je sais pas si je peux redormir. Je vais pas pouvoir redormir d'affilée comme ça. Bon, ok les amis, on se retrouve alors de suite après. Une fois dès qu'il fait jour, parce que là, voilà, il fait. Pourquoi je vais à la salle à manger tout le temps? Voilà. Bon, après l'heure avance vite, hein, y a que 3 heures à attendre. Ouais, il n'y a que 3 heures à attendre, donc ça devrait le faire. Allez, on se retrouve de suite après les amis. Hein. Bon, donc il est 4 heures les amis. 4h05 exactement, 4h07. Et on va donc aller au garage. En attendant, en fait, voilà pourquoi je n'y arrive pas, après réflexion faite. À mettre le câblage électrique pour la simple raison qu'il faut que on va le mettre comme ça pour se le tourner du bon côté. Hop, on va le poser là. Tac, on va le poser là. Voilà. Parce qu'en fait, il me faut les bougies. Donc ça. C'est bien la tête de Delco, hein, voilà. Donc, j'ai cogité un petit peu. Ça, c'est bien la tête de Delco et le câblage électrique. Donc, lui, il va venir prendre ici, voilà, et sur les bougies. Après, vous avez la bobine ici, voilà. La bobine qui va servir à alimenter tout ce qui est clignotant, tout ce qui est voilà, tout ce qui comprend le système électrique de la voiture. Donc là, nous, au niveau du moteur, ben, j'ai envie de dire qu'on est bon. À part que si jamais j'ai oublié de serrer des vis, voilà, ça, par contre, on verra. Écoutez, je me suis mis le doute connement, comme ça. Bon, bref. Je vais pas redémonter pour vérifier. Donc nous, je pense qu'on va pouvoir commencer à boire un coup.
Bah, toujours l'eau, hein. On va éviter la bière. Puisque maintenant qu'on sait... Ah. Attends, je recule encore un petit peu parce qu'il avance énormément en fait. Voilà, il a une... Voilà, on arrête l'eau. Là, pour ici, on est bon. Est-ce que je becte quelque chose? J'ai quoi là? Je prends un lait. Allez, je prends un lait. Ouais, je prends un lait. Voilà, ça remplit la faim. Par contre, le personnage, il est vraiment crado, quoi. Il jette tout n'importe où. Bah après, ça despawn quand... il est où mon bidon là? J'avais un bidon en métal. Il est ici. Je vais mettre ça là. Voilà. On va pas polluer, hein. On va essayer de rester normal. On va prendre une petite douche, on va faire un petit pipi le temps qu'on fasse tout ça. La douche allée ici. Ce sera l'heure. Voilà. La lumière, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'elle a cramé. J'ai un fusible qui a cramé, il faut que je le change. Voilà, allez. Tac, il me reste encore un peu de fer, est-ce que je vais prendre pareil? Alors j'ai trouvé ça aussi. Je pense que c'est une bouteille vide. Alors est-ce qu'on peut la remplir? Ah non, ah ouais, non, ok. Merde, je voulais pas faire ça. Bah j'ai déverrouillé un succès. Putain, en plus ça, elle cogne en plus celle-là. Merde, j'ai fait une boulette là. Oh là là, je sais pas ce que... Alors j'ai trouvé ça dans la maison d'en face. Et non, mais dans ce jeu... vous allez me voir toujours bourré quoi, ça c'est pas bon. Oh là là. Eh mais ça, ça déchire par contre. Hein. Ça défonce la gueule. Je sais pas si on va la garder la bouteille. Je vais faire pipi. Ah non mais ça. Il y a juste une bouteille les amis. Hein. Putain mais alors qu'est-ce que ça arrache ça? Laisse tomber. Hein. Oh là là. Putain, j'arrive même pas passé la porte. Oh là là. Et alors pour pisser, ça va être folklore là. Ah ouais, loupé quoi. Oh putain. Je vois rien. Je vous assure que j'essaie de maîtriser hein, avec la souris. Putain. En plus, il commence à faire jour, ça tombe mal. Hein. On va aller faire le gars bourré, quoi. Bon. Attends, je prends une douche, voir si ça me déstone, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Conduire le tracteur comme ça... Non, mais vous allez vous dire, lui, il est... Alors que dans la vie, je bois pas du tout. Hein. Je fume un peu, mais je bois pas la cigarette. Hein, je sais pas si ça. Mais je bois pas du tout, quoi. Bon, regarde si ça déstone un peu là. Je suis pas sûr d'être sous la douche. Là, oui. Putain, mais c'est... Oh là là, mais ça déchire.
Non mais faites attention à ce que vous buvez. C'est vraiment abusé, les amis. C'est vraiment abusé. Oh là là. Je vais manger un paquet de chips. Pareil, ça va m'aider. À des stones. Moi, ça m'a donné un petit peu de soif. Allez, je bois un peu d'eau. Et je cherche des astuces pour... Je cherche vraiment des astuces pour me déstone. Putain, je suis carrément bourré, quoi. Putain, c'est abusé. Vous savez quoi, les amis? Je crois que je vais plus rien boire. Parce que... Là, on va atteindre la lumière, hein, si je la trouve. Ah, hop. Je crois que je vais plus rien boire parce que vraiment ce jeu... Putain, je me suis pris la montre. Regardez, là, je suis censé courir droit. Je crois que je vais plus rien boire parce qu'à chaque fois que je bois un truc... À chaque fois que j'essaie un truc dans ce jeu, ça me décalque la tête. Hier soir, c'était pareil. J'ai bu 2 verres de vodka, j'en pouvais plus pendant des heures. Des heures in-game. Hein. Peut-être que ça fait vraiment... peut-être au moins 30 minutes ou 35 minutes IRL. Mais 35 minutes comme ça, c'est long. Hein. Je peux vous le dire. En plus, là, je dois faire des manœuvres avec le tracteur. Bon, allez, on va... prendre le tracteur. Putain. On dirait que ça se dissipe un peu. Mais c'est quand je marche, en fait. J'arrive même pas à viser. Je peux pas rentrer, quoi, en fait. Et une fois que je suis dedans, en fait, il me laisse pas conduire. Ah, si. On peut conduire bourré, t'es sérieux? Non, mais ça va pas être possible, les amis. Je crois que je vais aller recharger la save. Avec un peu de chance, j'en serai plus, quoi. Parce que là, faire des marches arrière comme ça... Parce que par moment, vous avez l'impression que ça va bien et après, hop, ça redéconne. Après, on va se planter. Hein. Ah putain, il y a un bidon là. Ah, par contre, celui-là, il tombe bien. C'est abusé. Hein. Alors, je vais faire la save. Et j'espère, voilà, respawn clair, quoi. Je sais que c'est pas trop RP, mais je me vois pas conduire le tracteur comme ça, quoi. Ouais, vous allez me dire, c'est des pertes de temps. Mais bon, c'est le jeu est comme ça. De toute façon, vous aurez beau faire n'importe quoi, le jeu est comme ça. Allez, on est reparti. C'est que vous êtes pas à l'abri d'avoir des... voilà. Et encore, on n'a pas eu un seul incident mécanique parce que j'ai pas encore fait la voiture. Mais dès que je vais avoir fait la voiture, je pense que on va avoir des... Putain, je suis encore bourré. Hein. Je pense que je vais avoir des surprises. Ouais, je suis encore bourré, quoi. Moins quand même. Hein. Mais plus jamais je vais reboire des trucs comme ça, les amis. Parce que du coup, ça va rallonger ma vidéo.
Bon, je vais quand même un petit peu mieux. Hein. Mais c'est pas encore l'extase, mais je vais un petit peu mieux. Là où on va rigoler, ça va être le tracteur, quoi. Je pense que ça va être abusé. Ah oui, je voulais vous montrer ici. En fait, là, j'ai récupéré. Il y avait un cadeau sur la table. Là, ici, il y avait un cadeau sur la table. En fait, je l'ai ouvert. Et ça m'a donné cette fameuse bouteille que j'ai picolé là. Hein. Et ça m'a donné un insigne turbo. Voilà, que je peux remettre sur la voiture. Voyons si je te... Bah, je sais pas à quel moment, lui, je peux le voir, en fait. Après, ça appartient à lui, ça. Donc, peut-être qu'il faut bosser. Parce que c'est lui qui a la fourgonnette. Bon, ça spoil. Je me suis pas... Putain. J'ai pas bu cette bière pour rien. Ce truc pour rien, je vous le dis. Mais plus jamais, quoi. Plus jamais, hein. Merde, j'ai pas l'entrée, là. Là, normalement, je suis assis. Allez, on va fermer la porte. Hein. Dis-moi si je la trouve. Bon, d'accord. Je pense qu'il faut fermer la porte avant. J'étais un peu trop là, avancé. Là, elle est fermée. Allez. Démarrage du tracteur encore avec 3 grammes. Je suis vraiment désolé les amis de vous faire des vidéos comme ça, mais c'était pas prévu que je me mette une cartouche. Ouais, il va falloir insister, je pense. Faut que j'accélère. Voilà. En fait, il tient pas le ralenti, cet animal. Voilà, on va faire un autre marche arrière. Vas-y, Paris va s'atteler. Oh merde, non. Je l'ai accroché les amis. Je sais pas comment j'ai fait hein. Et là le truc c'est qu'il faut que je mette la remorque dans la grange. Par contre les vitesses il faut que je les change. Merde, parce que là c'est pas possible. On va pas trop braquer parce que...
Ah, moi j'étais toujours été très nul aux marches arrière. Par contre, je pense que les vitesses, je vais les mettre sur la souris. Parce que là, c'est tout simplement pas possible, quoi. Ah, c'est plus simple quand même. Avec la vue qui fait que bouger, c'est pas évident. Je pense que je vais la laisser là et on va pas s'emmerder. On va ouvrir ça. Je l'ai trois reculs. Hein. Je vais l'avancer un chouïa. Un tout petit peu, je vais l'avancer. Voilà. Putain. Attends, laisse-moi bien me mettre hein, en face du volant. Là. Quand même plus facile les vitesses sur 1 et sur 2. Là, je galérais trop. Ok. Non, toi, tu t'ouvres. Le frein park, on va le mettre. Histoire que je me trouve pas le tracteur, je sais pas où. Oh, ben, on est pas mal, là. Hein. Allez, on est parti. On va couper le bois, là. Hop. Se baisser pour la prendre, la hache. F. Bon, attends, attends, hop, A, F, tac, voilà, là, donc on a la hache, et on est parti pour le farm de bois. Alors. D'accord, ok. Bon, déjà, le bois, on peut le mettre dans le tracteur. Ah, ça se remplit comme ça. Ok. Ah, d'accord, ok. C'est bon, je trouvais. Allez, on se fait ça en accéléré, les amis. Et on se retrouve de suite après pour le voyage. Thank you.
Alors les amis, on va aller lui livrer ça. C'est histoire de se faire un petit peu d'argent. Déjà j'y vais à jeun. Hein. Là déjà pas mal. Là, alors, je vais bien me placer sur le siège. Là. Là. Allez, on est parti. Concrètement, on va aller par là. J'espère que je ne me trompe pas. On est bon. Alors nous on va là. J'essaie de pas me planter. C'est à fond là. On va voir comment ça nous rapporte. Bah allez, j'ai pas voulu non plus passer des... une heure à remplir la remorque. Je me sens pas l'âme de faire une marche arrière. Hein. Donc on va se la faire comme ça. Hein. Peut-être éteindre les... Je sais pas si ça bousille la batterie. Je suis où là? Je recule un peu. Ça devrait le faire, hein, écoute. J'espère. Voilà. J'avance un poil. Ah, mais il avance, hein. Tracteur. Hein.
Allez, on va décharger ça. En fait, elle se rebaisse toute seule, la benne. Puis ça va à mon niveau en plus. Là, le problème, c'est qu'on n'y voit absolument rien. Alors que je crois que je vais dételer la remorque si c'est possible. Est-ce qu'on peut dételer la remorque? Je vais repartir chez moi. Et je vais revenir quand il fera jour. Parce que là on voit rien. Voilà. Parce que là c'est tout simplement pas possible. Je vois même pas où je suis. Bon ben les amis, j'ai fait aller-retour comme prévu. Là maintenant il fait jour. Je pense que je me suis pas trop mal placé. Alors sur le tracteur, j'ai vu que vous avez une manette ici. Voilà. C'est que vous pouvez accélérer le tracteur. Vous voyez, voilà, on peut accélérer le tracteur ici. Donc on va rentrer, on va l'accélérer. Voilà, c'est pour la benne en fait. Et ça permet de régler aussi le ralenti. Alors il y a un truc qui est génial, vous voyez c'est balisé hein, là en fait. C'est qu'il y a une course automobile. Donc voilà, on va pouvoir regarder en même temps la course automobile. Allez, on va essayer de décharger ça. C'est pas ça là, ça c'est les fourches. Bon, j'espère qu'on va être bon. Bien, je vais aller voir de dehors si on est bon. Voilà, on va lui décharger. On va voir combien il nous donne pour ça. Mais tu me donnes un man 640, c'est pas mal. Non, celle-là je la veux pas. J'ai une mauvaise expérience. Donc il faudra remplir des bennes entières et complètes pour voir exactement ce que ça peut nous rapporter. Allez, je ramène le tracteur et on va se laisser sur ça quoi. Alors on va baisser la benne maintenant. Il faut lui mettre du gaz. Hein. Là, on est good. Allez, hop, on n'a plus qu'à y aller. On va essayer de ne pas se choper une bagnole. Alors, la benne, est-ce qu'elle descend? Bon, ah, je sais plus comment je l'ai fait descendre. Ah, c'est celui-là alors. Voilà, là elle va descendre. Elle descend. Là on va accélérer pour le faire descendre plus vite. Ah ouais, j'ai pas fermé. Je suis au milieu de la route les amis hein. Ah ouais quand même. J'avais pas vu hein. C'est vrai qu'on n'est pas seul dans ce jeu. Je vais aller fermer le côté parce que je l'ai pas fermé. Il fait un bruit ce tracteur. Ah, il y a une voiture. Ils arrachent quand même.
Ciao, courre. Ciao. On va y aller tant qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il est infernal ce tracteur. Ah mais il y avait un plafonnier. Là je suis en mode speed de toi. On va mettre deux freins à main. On va descendre de suite. On viendra l'éteindre après. Vas-y, vas-y, vas-y. Pêche-toi de descendre, s'il te plaît. Putain. Dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai plus d'eau. C'est quoi ce bordel? Comment je fais? Des bières. Oh là là là. Allez, j'ai le stock de bières. Bah là j'étais en panique quand même. Pouh. Comment j'ai plus d'eau? What? L'électricité? Putain, j'ai plus d'électricité non plus. Voilà ce que je vous disais dans ce jeu. Voilà ce qui peut arriver. Voilà, et ça je sais pas le gérer. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Le compteur est arrêté, il y a tout qui va pourrir. Alors peut-être que après ça, est-ce qu'ils ont sauté? Peut-être ces fusibles. Peut-être que c'est à cause de la course de la course. Hein. Alors ma lampe électrique, elle est là. J'ai mis des piles. Donc la limite, lui, on va l'éteindre. Hein. C'est vraiment pas cool. Bon, après, si je bois une bière par une bière, ça va quoi. Il faut pas en abuser. Je crois que ça va vaciller un peu, mais ça va. Alors là. Par contre, ces moustiques, ça me saoule. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus d'électricité, j'ai plus d'eau. Ça, c'est embêtant. Bah ben les amis, on va se laisser sur ça. Je vais faire ma recherche. Pourquoi j'ai l'électricité de coupé. Voilà, alors c'est peut-être une panne. Une petite panne passagère. J'espère bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve la prochaine fois au prochain numéro. En attendant, soyez sages et faites attention à vous. Ciao, ciao.